Je m'appelle Chloé Foulet. J'apprends le métier de technologue en dispositifs médicaux. Je m'appelle Delphine Métraillé. Je travaille à la stérilisation centrale de Martinique en tant qu'apprentie technologue en dispositifs médicaux de deuxième année. Le but de ce métier est de, dans les règles de l'hygiène, de retraiter chaque plateau, de reconstituer, recomposer chaque plateau pour une intervention chirurgicale. J'ai choisi ce métier parce que je cherchais un métier dans la santé, mais je voulais en tout cas actuellement pas de contact trop rapproché avec le patient, donc, et quelque chose avec de la technique et varié. Donc ça m'a semblé être une bonne option. Je m'étais lancée dans les soins infirmiers tout d'abord, et puis ce que je préférais dans les soins infirmiers, c'était son côté technique plutôt que son côté relationnel, ce que je retrouve ici. L'Institut central des hôpitaux est un grand site. On travaille pour plusieurs clients, ce qui fait que c'est très enrichissant pour notre apprentissage. On a une énorme variété de plateaux opératoires. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est que c'est varié. Il y a différentes étapes aussi, le lavage, le conditionnement, la stérilisation et la distribution. C'est un travail précis, minutieux, c'est un travail technique que j'aime beaucoup, manuel. Je travaille avec tous les collaborateurs qui travaillent à la stérilisation centrale. J'ai plus de contacts avec ma formatrice, avec la deuxième apprentie, parce que c'est toujours bien d'être deux, parce qu'on peut se soutenir. Ce qui est motivant, c'est que c'est le patient, notre dernier client final, c'est le patient. Donc tout ce qu'on fait, il faut qu'on pense à lui et puis à ce qu'on donne notre meilleur travail pour que lui, il n'ait pas de complications, de risques et que son hospitalisation soit la meilleure possible, en tout cas grâce à ce qu'on fait.